Bonjour à tous les amis, c'est Gigi pour une nouvelle vidéo du Poké Park comme vous le voyez. Donc pour la partie numéro 19 je crois, ouais. Donc l'intérieur de la zone hantée maintenant, et ouais. Et croyez-moi, il y aura beaucoup de choses à faire. Parce qu'en fait... Voilà, j'attendais qu'il se taise l'autre bulard. En fait j'ai déjà fait les vidéos de l'intérieur de la zone hantée. Mais quasiment à chaque fois on voyait ma tête parce que j'avais pas tiré les volets. Et donc c'était en plein jour. Et donc donc j'étais obligé de les supprimer, de tout refaire. Et donc voilà, c'était chiant. Ça m'est arrivé deux fois. Mais là c'est la bonne. Donc petite annonce, je suis en vacances parce qu'en fait normalement je devais être en vacances qu'à partir de demain, c'est-à-dire vendredi. Et donc je suis en vacances depuis ce midi. Tester Toto, je te l'avais dit que je serais sûrement absent à cause de la mallette. Ma mère a bien voulu, voilà. Et donc Tester Toto et Noctuflav, je vous en prie, ne le dites à personne, ni à New Mew, ni à personne, s'il vous plaît, ni au prof et tout. Vous dites que je suis malade, donc s'il vous plaît. Enfin, Noctuflav, t'es pas dans ma classe, mais voilà quoi, tu le dis pas à New Mew ou des trucs comme ça. Voilà. Donc je compte sur vous, les amis. De toute façon, j'ai confiance en eux, donc je sais qu'ils vont pas le faire. C'était juste pour dire à Tester Toto. Alors c'est parti, hein. On va pas se faire chier. Vous pouvez pas me voir. You can see me. Ah merde, d'un coup là vous voyez presque pas. C'est pas cinématique ça. Attendez, là j'ai un doute. Non, là y'a un problème. Bah, tant pis, on va faire comme ça. Mais attendez, je sais, je crois savoir ce qui se passe. Qu'en reculant un petit peu. Attendez, ça va venir. Waouh, aïe. Bon bah tant pis. On va faire comme ça, voilà. Changer de méthode de vidéo parce que là j'ai l'impression qu'elle est encore plus foireuse. Allez. Nous pénétrons donc dans le manoir. Attendez, je vais essayer de bien ajuster la caméra. Ah, voilà. Ouais, voilà, elle est comme avant. Voilà. Donc là, on voit ce qu'il y a Enox, on doit le suivre. Il y a toute une histoire avec Enox au début. Hein. Faut tout le temps le suivre, il nous dit des instructions et tout, c'est vachement chiant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre, ça ressemblera à un oculaire et c'est un panneau d'attraction. Quelle coïncidence ça pourrait être? Et bah, à mon avis, vous l'avez douté. Lori 814, cool! Lori 814, on va commencer par te recruter. Donc, Lori 814, c'est un peu nul, je suis désolé, mais. Surtout si j'utilise le double sprint, je suis forcé de l'attraper là. Et là, qui est-ce qui arrive? C'est Gigi Rachi. Et Gigi Rachi, elle est plus balèze. Faites-moi confiance.
Donc j'ai Jirachi et le 814, c'est pas mignon. Skinox il casse tout. Oh merde, excuse le 814. Oh désolé. Putain, tu es deux avec le double sprint. Avant j'avais pas fait comme ça. Très belle posture, Mentali là-dedans, hein. Mais pas mal. Crève! Putain. Derrière cette porte se trouve la bibliothèque. Et donc c'est là où on va. Non, je vous le dis pas. Là-bas. Hop. La salle du bal. Il y en a qui commence à s'exciter là. Donc là, faut aller en haut. Ah non, faut aller voir Fantominus qui nous dit d'aller en haut pour les. Regardez, ils sont chiens avec leur moto. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé pour les motos, mais ils sont chiants d'habitude. Ça. Ah non, oui. Alors les kids, pour jouer à cache-cache, il est vraiment très très chiant parce que il y en a pas beaucoup là-dedans qui jouent à cache-cache. Je crois que c'est le seul à jouer à cache-cache dans tout le manoir. Mais vous allez voir, c'est vraiment chiant parce qu'il peut se planquer n'importe où dans le manoir. Et bien n'importe où. En général, il se planque vers là. Ah, il se planque vers les étages. Donc. Tout à l'heure j'ai pas eu de mal pour le trouver, mais là voilà, je sens que je vais avoir un peu plus de mal. C'est parce qu'il peut pas être là. Merde. Ah, un rusé, il m'avait jamais fait ce coup-là. Ah, je pensais pas qu'il pouvait se planquer derrière un truc. Ah, moi je pensais justement qu'il pouvait se planquer partout sauf dans cette salle. Ah, ah bah, voilà une autre nouvelle en quelque sorte. Electek. Pour nos petits fleuves qui adorent entendre dire ça, Electek. Electek. Vous êtes tous crevés, Jirachi. Non. Electek tout seul. C'est pas vrai que Jirachi est en train de passer tête. T'attaques Jirachi, t'es mort, mon petit gars. C'est bon, tu l'as pas attaqué. Putain, tu l'as attaqué, t'es mort. Je vais te poursuivre en justice. Racaille de bac à sable. Tête de pile. Pauvre monstre, merde. Et un copain, un gros trisomique du cul, Sharon, connard, on tape pas ma soeur, tu vas crever. Oh alors toi t'es mort, je vais traîner jusqu'à je sais pas où dans le manoir, mais je vais traîner. Ah merde, la Fantominus il casse tout avec son putain d'intro de merde. Voilà, donc il va ouvrir. Vous voyez, là il y a un fragment violet ou bleu plutôt. Il va ouvrir toutes les portes qui sont avec un fragment de la même couleur. Les portes j'aime bleu, voilà. Se sont ouvertes. Donc ça ouvre une nouvelle salle, donc avec de nouveaux Pokémon, hein, vous en doutez. Hop. Double sprint dans la gueule. Mais putain, avec leur. Ils font chier avec leur moto. Bon bah. Pokémon partie 19. Les motos.
Casse-toi, Laurie! Je vais te buter! Putain, on a déjà 10 minutes à cause de ce connard! Casse-toi! On recommence la baston! Oh, j'ai du cul là! Mais c'est une grosse merde ce gars. Oh, il l'a profond. Donc ouais, donc encore une fois, vous voyez pas tous les crans, je suis désolé, mais bon. Parce que maintenant vous pouvez plus voir les baies. Eh, deviens mon ami toi, connard. Donc je vous préviens que cet épisode, enfin vous l'avez sûrement remarqué et deviné, va durer assez longtemps. Donc ça c'est... Vous allez voir comment on libère Ectoplasma. Voilà, en fait il est dans le tableau, c'est trop con. Tiens, et 12 coups de minuit qui avait prévu Skynox. Ça veut dire que Nocturne est arrivé. Voilà, Nocturne ne va plus tarder. Donc. Voilà. Alors. C'est trop. C'est trop dégueulasse. Il est trop con avec ton plasma. Au moins, il aura au moins le mérite de nous faire rire. C'est déjà ça. Je sais pas si je vais vous faire toute la santé dans cette vidéo. Moi, je vais aller jusqu'à Attraction Nocturne et après, je vais arrêter. Ton plasma, il est chiant. Oh non, enculé! En fait, là, il a inversé les touches. C'est un peu longue folie en quelque sorte. Tiens. Donc, si vous souvenez, il y avait électrode. Merde, je fonce dedans. Oh voilà. Attention. Pour tous les fans de Naruto. Oui, mais c'est pas énervé. C'est nul ça. Ah ça y est. Regardez ça. Explosion. Alors toi t'es mort. Ça va être bien. Putain, mais il reste longtemps énervé sur moi. Mais ta gueule! Putain!
raconter quand tu seras moins con. Parce que là, sérieux. Ah, vous avez entendu, il y a le petit noir. Putain, il fait chier, regardez le temps qu'il nous a fait perdre, sérieux. Il nous a fait perdre au moins 3 minutes, tu vois, facile. La prochaine fois tu m'écrases, écrase. Mais tiens, Fantominus. Par contre lui, il faut faire la course avec lui et Spectrum, et je vous garantis c'est vraiment très 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 chiant. En fait, faut sauter, mais pour Spectrum, là il était trop bastoche. Et pour Spectrum, je vous jure, c'était vachement dur. Enfin, c'est pas vachement dur, mais c'est, il est chiant Spectrum. Parce qu'en fait, il se téléporte. Et donc voilà, c'est chiant. Voilà, Spectrum. Merde. J'étais sur MSN en conversation avec Light Darkness. Bien. Vous allez voir à quel point il est chiant. Oh, je l'ai eu dans sa téléportation, fuck! Oh, le big fuck! Je l'ai eu pendant sa téléportation. Trop. Ah, c'est peut-être qu'il se rendait juste invisible alors. Et là, écoutez ce cri de Noctuloir. Il est absolument fantastique. Écoutez-le. C'est absolument divin. Noctuflamement, on l'adore. Il est trop. Son cri, il est trop bien. Vous avez entendu ça? Voilà. Donc, ça va vous rappeler quelque chose, hein. Ah ouais, Ectoplasma, c'est trop ouf, lui. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'est trop ouf avec Ectoplasma. En fait, il y a plusieurs trucs et tout, il faut foncer en secouant la manette pour détruire le mur. Mais vous allez voir qu'avec Ectoplasma... c'est beaucoup plus simple. Il évite les obstacles et voilà. C'est trop simple. J'adore. Allez, je vous en refais un autre pour le fun. C'est la première fois que j'ai entendu dire Noctuloir. C'est la première fois que j'ai entendu dire Noctuloir en entier. Noctuloir il fait tout le temps que noir, mais là. Ouah, on a un éclat de prise. C'est le 9ème. Ça va, on a 1800 B, enfin maintenant 1770. Maintenant, on va faire avec Noctuloir. En reconnaissance pour Noctuflav qui traverse une période assez délicate.
Donc tu l'as très rapide, mais les obstacles ça ralentit de ouf. En plus, vous avez vu, il salue le public. C'est pas mignon ça. Donc, épisode spécial pour Don Tufla. Et maintenant, avec un qui détruit plus, Cisaiox, qui est pas mal pour ce jeu, je crois. Je sais pas, je me rappelle plus trop. Hein. Je fais pas souvent le jeu. Oui, putain, mais j'avais vu. Putain, il est balèze. On est rendu à 20 minutes, on va arrêter. Donc la prochaine fois ce sera la salle de bal, je pense. Attendez, je vais voir si Skeletox il machine. Ouais, Skeletox il est en face. Donc la prochaine fois ce sera la salle. La prochaine fois ce sera la salle spéciale. Du bal. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis rendez-vous à bientôt pour de nouvelles vidéos en compagnie de Pikachu et de Noctumar. En espérant. Au revoir, les amis.